Salut à tous, c'est Nurnia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur TechZit 4, la suite. Alors je me suis renseigné en off, hein, on va faire plein de trucs, ça va être trop bien. Donc déjà, le fameux livre, c'est parti. Alors, j'ai changé la disposition de la salle principale, augmenter la hauteur du plafond. Alors oui, ça, vous remarquez, le plafond est un peu plus haut. Pourquoi? Parce que ce plafond, ça va être entièrement des panneaux solaires. Je compte tout remplacer par des panneaux solaires. Et ensuite en dessous il y aura des câbles. Comme ça je pourrais générer plein d'énergie et je pourrais brancher mes machines où je veux. Donc c'est pratique. Ensuite, j'ai craft des muffler upgrade pour le recycleur et l'électrique furnace. Ah oui. Donc là vous voyez, un muffler upgrade. Ah, c'est cuit. Tac. Ça permet en fait à ce que la machine ne fasse pas de bruit. Allez, par exemple, j'enlève le muffler upgrade. Tac. Ça fait du bruit. Je mets la muffler upgrade. C'est toujours du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Attends, faut peut-être que ça finisse. Hop. Mais. Bon, ça marchait, mais là ça marche plus, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Et là, le recycleur, vous voyez, il fait pas de bruit. Donc on devait faire quoi? Ah oui, je vais quand même vous montrer la suite. J'ai tué un Enderman corrompu, il m'a donné une Ominous Pearl. Oui, j'ai regardé un Enderman par accident, c'est un Enderman corrompu, il m'a donné ça. Ça me fait un peu chier parce que vous avez loupé le combat qui était plutôt intéressant. Mais apparemment c'est pas un... Enfin je crois pas que ce soit un mob unique qui peut respawner, donc ce serait bien qu'on en retrouve. Voilà. Ensuite... J'ai obtenu une Raider dont tu as des pillageois. Ah oui c'est vrai. J'ai tué... Enfin, il y a des groupes de pillageois qui viennent régulièrement dans le coin. J'en ai tué. Et j'ai obtenu... ceci. Alors, vous voyez, ça a été utilisé une fois. J'ai utilisé une fois par accident. Et en fait, tout ce que ça m'a fait, c'est mis Ominous Omen sur moi. Donc, ça veut dire que si j'avais été dans un village, il m'aurait attaqué. Mais bon, c'est réglé. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient le drapeau aussi. Donc, on devait faire des Crushing Wheel. Crushing wheel, donc il nous faut ce truc là, il nous faut ce truc là, je vais prendre ça aussi au cas où, je vais prendre ça, ma wrench, c'est important, il va me falloir un seau d'eau mais ça c'est bon, j'ai de la pierre, ok. Donc où est-ce qu'on va placer notre crafter? Je pense qu'on va le placer ici, on va le placer là ouais, je pense. Ça pourrait être une bonne idée. On va couper les arbres pour faire un peu de place. Ah oui, il faut que je vous montre un truc, regardez. Hop. Ça, c'est un truc que j'ai découvert. J'ai tout relié. Donc maintenant, je mitraille juste le clic. Enfin, je laisse appuyer et paf! Ça a coupé tous les arbres d'un coup. Pratique. Et ouais. Donc ça c'est chouette, pour couper plein d'arbres d'un coup, il suffit de les relier avec du bois et... Enfin des bûches. Et on peut tout couper d'un coup. Hop. Ok. Donc ensuite... alors, on va faire la machine ici, je pense. 3, 4, 5, 6. Tac. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, c'est bon, je vérifiais que je m'étais pas trompé quelque part, mais non, c'est bon. Tac, 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 donc ça a l'air assez complexe comme ça, mais en fait c'est assez simple, vous allez vite voir. Ok, donc ensuite il me faut un rouage, on va faire un rouage... c'est comme ça, je crois. Oui, c'est comme ça. Tac. Que je vais relier, je crois, ici. Ici, ça devrait aller. Et là... comme ça. Et ça... Là. Voilà. Vous voyez, c'est une très grosse roue. Enfin, je sais plus si je vous en avais montré, mais... Voilà. Là, on va casser ce qu'il y a en dessous. Hop. Ensuite, on va prendre un coup d'eau. Donc, tac. Voilà. On a un coup d'eau. On va faire un truc en pierre et on va le recouvrir pour éviter que ça ne
se transforme en glace. Donc, clac, clac. Clac. Là, je mine. Là, je fais ça. Et là, ça tourne. Et vous voyez, tous les rouages se mettent à tourner. Desperate Measure. Pourquoi ce Disney donne une propre infrastructure? Hein? J'espère que ça veut pas dire que c'est trop lent pour marcher. Bon, alors, ensuite, les crushing wheels. Crushing wheels, il fallait plein dans des italoïdes. Il en fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faut 16, bah c'est bon, j'ai assez. Ok. Juste d'ailleurs, on va couper la ligne de seconde. Parce que faut faire ça étape par étape. Au milieu, il faut un stone et il faut 4 bois. Ok. Donc on va placer tout ça. Tac, les 4 bois. Donc ça fait clac, 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 clac. Vous voyez, il suffit de faire clic droit pour les placer dedans. Hein. C'est assez simple. Tac, tac, tac. J'ai pas un stone. Hop, je vais aller faire cuire ça. Oh. Hop. La saison hiver dure plutôt longtemps, je trouve, parce que j'ai pas mal joué en off, je vous le cache pas. Et c'est toujours pas bon. Ensuite, il va me falloir utiliser ce truc-là. Je stocker mon bois vite fait, parce que j'en ai trop sur moi. Tac, tac. Et tac, voilà. Alors. C'est bon, il a fini de cuire, nickel. Donc là, normalement, si je fais bien les choses, ça devrait fonctionner. Vous allez voir, c'est un peu impressionnant en vrai. Donc. Déjà, il faut que ça aille par là. Ça aille par là. Là, ça va en bas, c'est bon. Là, on va faire en sorte que ça aille à gauche, ok? Là, ça va aller en haut. Là, ça va à... comme ça. En fait, chaque truc a une sortie, si je dis pas de bêtises. Là, on va faire en sorte que ça aille par ici. Ok, donc ce côté-là, il est bon normalement. Là, ça va par là. Ok. Ça va au milieu. Ça aussi. Hop. Là, je crois que c'est bon. Ça s'assemble d'un côté, ça s'assemble de l'autre, puis ça s'assemble là. Écoutez, on va essayer. C'est parti. Ah, c'est bon. Je me suis dit, merde, ça marche pas. Vous voyez, ça se déplace tout doucement. Hop. Ça s'assemble. Bon, c'est assez lent. Hop, voilà. Comme ça. Ouais. Ok. Ensuite, ça va s'assembler. Ok, super. Parfait. Et là, ça va me faire une roue. C'est bien ça? Allez, s'il vous plaît. Ah, attendez, oui, je crois qu'il fallait que ça ressorte ensuite. Hop. Je crois que c'était comme ça que ça marchait. Allez, allez, dis-moi que ça marche. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai bumpé dans ma souris. Allez. Ouais, c'est très lent aussi, parce que j'ai pas fait un truc hyper rapide. Hein? Non, non, te sépare pas! Qu'est-ce qu'il me fait? Ah. Oh. C'est bon? Allô? Oui! Ça a marché! Tintin! On a des crushing wheels! Et ça, c'est beau. Juste ce truc était très lent, mais c'est pas grave. Donc, on a nos crushing wheels. Ce qu'on va faire, c'est que je vais virer ce truc-là, parce que on va pas en avoir besoin tout de suite. Hop.
C'est vrai que ça fait beaucoup de matos quand même. Hop, on vire tout ça. Ok. Et ensuite, on va remplacer ça par... Ah, j'aimerais la mettre un cran plus bas, en fait. Je me dis, ce serait plus pratique. Donc, on va faire ça. Tac. Je récupère mon eau. Voilà. Faut que je mette la barre un cran plus bas. Donc, si je fais, genre, ça. Voilà. Parce que là, c'est trop, en vrai. Tac, tac, tac. Voilà, c'est mieux. Quand même mieux. Tac, tac, tac. Tac et tac. L'eau, on va la remettre. Ok. On reprend nos petits trucs comme ça. Tac, tac. Ensuite... Faut que ça fasse. Alors attendez, je vais couper ce truc là, vous allez comprendre pourquoi. Hop, ça. Là, je mets une crushing wheel. Non, je mets. Je mets ça. Tac. Vous voyez, ça tourne dans l'autre sens. Du coup, ça fait ça. Donc, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et là, je mets ceci. Voilà. Une paire de géants. Ok. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Voilà. Et donc là, tout ce qui va aller ici va se faire écraser. C'est-à-dire que si je fais ça... Je meurs. C'est aussi simple que ça. Je sais plus du tout pourquoi on devait faire des crushing wheels, mais on les a fait. On les a faites. Donc... Ça, c'est bon. Ensuite, cobblestone générateur, ça c'est important. Très très important. Générateur. Alors, il nous faut un bloc de fer, un seau de lave, un seau d'eau. Un bloc de fer, un seau de lave, un seau d'eau. Et de la pierre. On veut la pierre. La pierre et un coffre, non? Ouais, un coffre. Donc on va prendre de quoi faire un coffre et de quoi faire enfin de ça voilà parce qu'on va pas faire le premier en fait on va faire le second donc il faut aussi un bloc d'or tac voilà vous allez vite comprendre c'est assez simple il faut ça je vais m'installer ici. Je prends donc un seau de lave, un seau d'eau. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est très très simple en plus. Là je fais ça, je dis... Ah, j'ai pas fait mon coffre, je suis con. Il va me falloir 4 coffres. Tac, tac, ça m'en fait 3. Tac, tac, et tac, ça m'en fait 4, ok. Tac, 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 ok. Donc là j'ai un générateur de cobble. Et à quoi ça sert? Eh bien c'est très simple, regardez, je le pose. Et toutes les... Je sais pas combien de temps, ça génère un de cobble. Alors, c'est très lent. En revanche. Là, ça m'a généré 2 cobble en 10 secondes. C'est très très lent. C'est pas bien, alors. Oui. Mais on peut en faire un mieux. On peut en faire un mieux. Ce qu'il faut... C'est qu'il en faut d'autres, tout simplement. Et que ces autres-là, on va les fusionner. Et quand ils seront fusionnés... Et bah ça ira plus vite. Tout simplement. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais la cobblestone, j'ai 8, t'en as plein. Donc on s'en fout. Pourquoi tu fais ça? T'es con. Alors déjà, je regarde dans les yeux, je vous dis, tu te calmes un peu, 2 secondes, je vais t'expliquer. Et en fait, vous vous rappelez du truc qui transforme les matériaux en scrap? Et bah là, ça va nous faire tout un tas de scrap. Pourquoi il fait pas nuit? Bah si, il fait nuit. Hop. Et tout ce scrap, du coup, ça va faire tout un tas de scrap box. Et tout ce tas de scrap box, ça va faire
plein de matériaux aléatoires. Et ça va être pratique. Parce qu'il y a certains de ces matériaux qui sont très rares. Donc c'est chouette d'en avoir plusieurs, quoi. Enfin, Hop. On va repasser un coup de lave et un coup d'eau. Va falloir que je retourne chercher de la lave d'ailleurs. J'ai toujours pas nettoyé mon spawn du Nether. Tac, tac, tac. Ok. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, maintenant qu'on a créé ce truc, on va aller. Oh, c'est le bordel dans mon inventaire. On va aller là. Là, vous vous rappelez de ce truc, de cette machine-là. On va pour l'instant couper ça. Hop. Et on va mettre le générateur au-dessus. Bon, je réorganiserai ça plus tard, hein, s'il faut. Hop. Et hop. Et là, en fait, je vais faire un truc un peu différent. Je vais. Attendez. Parce que je vais quand même pouvoir accès au truc qui génère de la cobble, c'est mieux. Hop, hop, et hop, voilà, comme ça je peux faire clic droit et accéder au truc. Et là, du coup, automatiquement, ça va se remplir de cobble et ça va recycler. Et ça va automatiquement, du coup, générer du scrap. Donc ça, c'est cool. C'est même très cool. On va déposer ça. Parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Qu'est-ce qu'on devait faire d'autre? Windmill et super glue et freezer. On va faire un freezer d'ab. Pourquoi je voulais faire un freezer? Pour avoir du cuir, mais pourquoi je voulais du cuir? Je sais plus. Donc on va d'abord faire la super glue. Je crois qu'on a déjà les matériaux possibles. Enfin, pour la faire. Super glue, ok. Donc il nous faut une plaque en métal, une iron nugget et deux slime balls. Est-ce qu'on a des slime balls? Je sais plus. Non, mais on pouvait en crafter avec du colorant, je crois. Attendez. Colorant vert et pâte. De la pâte, on en a. Attendez, c'est de la bonne pâte au moins. Tac. Alors attendez. Tac, on va voir, on va voir, on va essayer. Là par exemple, je vais par là. Est-ce que je peux piquer? Tac, tac. Ok, je peux faire de la bonne pâte. Tac, voilà. Donc j'ai mes deux pâtes. Ensuite, il me faut du colorant vert clair. Le colorant vert clair, si je ne dis pas de bêtises, il faut du colorant blanc. Donc je crois que ça se fait comme ça. Voilà. On en prend deux. Même un aurait suffi, je crois. Et il nous faut du cactus cuit. Est-ce qu'on a du cactus? Je crois que oui. Hein. Il est où? Non, j'avais bien du cactus. Ah, il doit être là. Oui, voilà. Tac. On met ça à cuire. Je vais redéposer cette pâte-ci. Je sais pas quoi elle peut marcher, enfin ce qu'elle peut faire. Ouais, des gâteaux, du pain, bon. La classique. Ça, j'aimerais bien faire un truc comme ça aussi, ça serait bien. Ça pourrait faire cuire des choses. Vous aimez bien, on fait déjà cuire des choses avec ça, mais ce serait bien quand même, je pense. Donc ça, on fait ça. Voilà! Là, j'ai assez. Donc, je devais avoir une plaque en fer et une pépite, je crois. Iron sheet et pépite. Donc si je fais ça. Ça, j'ai pas les slime balls. Bah oui, je suis con. Tac, tac, voilà. Et tac, on a un tube de super glue. Donc la super glue, c'est fait. Tac. Ok. Donc ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est un moulin. À la base. Alors, je me rappelle plus trop comment on les fait. Enfin, j'en ai jamais fait. Je sais pas, mais je me rappelle plus où c'était, comment ça s'appelait. Là, c'est un piston. Il y a tellement de trucs qu'on les trouve intéressants. Oh là 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 là. Mais regardez-moi tout ce bordel! Country shaft.
Alors attendez, si je tape wind. Ah, déjà il nous faudra des windmill sail. Ça c'est sûr. Ça a quoi des... D'accord. Ah, windmill bearing. Donc il faut shaft, stone, wooden slab. Donc est-ce qu'on a une shaft restante? Non. On va en faire. Shaft. Ça on va mettre à cuire, ça va faire de la stone. Et une wooden slab. Tac. On va essayer de faire un petit moulin. Je sais pas si on pourra le faire marcher dans cet épisode, hein, je vous le cache pas. Il va nous falloir plus d'andésite à l'œil. On a beaucoup d'andésite? Oui, on a beaucoup d'andésite. On a beaucoup de fer? On a suffisamment de fer. Hop. Faire ça. Et ça. Oui, ça fait pas mal quand même. Hop. Tac. 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 Et tac. Voilà, comme ça, ça nous en fait pas mal en avance. Je vais remettre des pépites là, voilà. Ok. Donc ça, tac, on en a un. Hop, voyons voir, réfléchissons. Une bulbérie qui est sur le bloc in front of them. Ok. Et avec de la glu, on peut faire une super structure. Hein? Ok, ça peut être utilisé comme un moulin à vent. Activer avec un clic droit. Ok. C'est quoi le maximum de blocs qu'on peut utiliser? Next scène. D'accord. On peut utiliser n'importe quel type de bloc. C'est très bien tout ça, mais... Alors attendez. Windmill bearing. Radial châssis. C'est assez intéressant en fait. C'est assez intéressant. Écoutez, on va... On va essayer de se faire un petit moulin. Je sais vraiment pas comment faire. Où est-ce qu'on peut se faire ce moulin? Où est-ce qu'on peut se le faire? Il faut un endroit où il y a de la place. On va le faire là, à la place de cet arbre. Hop. Ça dégage, allez hop. Parce que je veux tester des trucs. Je rendrai ça plus beau si c'est nécessaire plus tard. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va faire ça là. Bon, c'est pas très beau pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Merde. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Non! Ah! Merde. J'ai fait de la merde. Comment je peux faire ça? Hop. Ah, voilà. Là, je peux contrôler la direction de tournage. Non, je sais pas. Attendez. Je vais essayer un truc. Faut que ce soit tourné là, ouais. Ah oui, c'est forcément accroché sur le truc de devant. Donc, le truc de devant, on va mettre ça. Et... Ça ressemble à quoi, leur truc? Leur machine? Il y a des trappes d'or, ouais. Trappe d'or et des windmill sail. Ok. On va en crafter. On va commencer en faisant pas énormément. Hein. On va en faire quelques-unes. Hop. Tac. Je peux. Ah, j'ai pas de laine. Est-ce que j'ai de la laine en stock? J'espère. J'en ai pas énormément, mais je peux en faire plus. Ok. Tac. Voilà. Faut que je fasse un multiple de 4. Donc, je vais en faire 16. Pour l'instant. Tac. 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 20. J'aimerais en avoir un peu plus. Alors, attendez.
Tac, j'ai plus assez de stick. Tac, tic, tac, loup. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, on en a 32. Ça, c'est bien. C'est pas mal, 32. Faudra que je mette de la glu aussi, du coup, dessus. C'est pas très pratique parce que je dois agir en hauteur, mais bon, c'est la vie. Je sais pas quelle dose il faut précisément. Là, j'en ai fait 32. Donc il faut 8 de chaque côté. Donc 1, 2. 1, 2. Quatre, trois, pardon, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, voilà, un, deux, trois, quatre, ok, un, deux, trois, quatre, on va essayer de faire un truc un peu joli quand même, deux. Tac. Tac, 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 tac. Hop. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, j'ai tout utilisé. Donc maintenant je prends mon tube de colle. Et je tombe comme une merde. Voilà. Oh merde. Plus c'est pas beau, je fais un gros truc de cobble. Putain de merde. Comment je peux faire mon coup, moi? Parce que j'ai ça. Ah! C'est un enfer. C'est super. C'est compliqué! J'espère que ça va bien marcher comme truc. Ok. Donc là, normalement, si je fais clic droit sur le truc, ça marche. Ok, on va voir. Bon, c'est pas beau, hein, mais... Mais vous inquiétez pas, on va régler ça après. Oui! On a un moulin! On a un moulin avant. Bon, il clignote un peu visiblement, mais c'est pas grave. Je sais plus du tout dans quel ordre j'ai construit ce truc. Donc, on va y aller doucement. Ah, visiblement, je peux passer par là. Bon, je ferai un truc un peu plus joli hein, plus tard. Mais voilà! Nous avons notre moulin à vent. Ah, c'est cool! Je suis content. Avec ça, on va pouvoir alimenter des machines. Ça va être bien. Ah, ma pierre. Voilà, du coup, c'est sur cette note très positive qu'on va terminer cet épisode. On a un moulin à vent. C'est super. Du coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré faire ce moulin, du coup, les crushing wheels, et vraiment, on a fait,
On a fait des trucs intéressants aujourd'hui, des trucs très utiles. Et en plus, on a un générateur de cobble aussi. Ah, c'est cool. Je vais faire un truc un peu plus beau, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, ensuite, il nous restera. Bah, ça a été fait. Il nous restera le freezer à faire, même si ça, c'est pas une urgence. On verra ce qu'on fait dans l'épisode prochain. On pourra même explorer un peu si on. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, excellente semaine.